Après avoir sauvé Spira, Yuna, Lulu et Riku décidèrent de se balader sur la plaine foudroyée. Hé, moi j'ai rien décidé. On est vraiment obligés de faire ça? T'as peur de la foudre? Tu ne voulais pas en guérir? Je veux rentrer à la maison. S'il te plaît, Yuni. Voyons, Riku, tu sais que c'est pour ton bien. Et puis, Lulu est là pour te protéger. Retraite. Ici, ce sera parfait. Il y a les restes d'un feu. Ok. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Hé, allume-toi. Ah, laisse-moi faire. Waouh, apprends-moi à faire ça. Je crois qu'on a un problème. Il ne manquait plus que ça. C'est quoi ce truc? On dirait un cornichon tout moisi. Méfie-toi des apparences. C'est un tombéry. Vous pensez qu'il s'est perdu ici? Peut-être que si on le laisse, il s'en ira. Pas question de le laisser. Moche comme il est, il cache sûrement un beau butin. N'importe quoi. C'est parti. Je pense qu'il t'a maudite. Ne bouge pas, je vais te soigner. Brûle. Bye bye. C'est vrai qu'il était coriace. Riku ? Où est-ce que tu vas avec ce butin ? Tu as peur de la foudre ? Tu as raison.